Yo, donc on est lundi. Bon, il est 9h30. J'ai eu quelques petits soucis avec le montage du vlog précédent. Du coup, bah, ça fait que je suis un peu en retard là. Je sors tout juste de la douche. J'ai toujours pas fait la miniature. Je le ferai en même temps que je montrais ce vlog, donc ce soir. Là, je vais commencer du coup la formation que Emric m'a donné accès. Je sais pas par quel cours je vais commencer. Je vais voir un peu tout ce qu'il y a. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et j'ai vu, enfin, j'en ai parlé avec une pote qui est photographe. Et elle a suivi cette formation aussi, en fait. Du coup, apparemment, elle est cool. Donc là, je vais commencer tranquillement. Et je vous tiens au jus. J'ai une dégaine, pire que d'habitude. Bon, allez, à toutes. Bon, comme j'utilise la méthode Pomodoro, je fais toujours quelques petites pauses. Première pause de la journée, avec mon petit café. Bah, j'ai couvert parce que je suis allé prendre le café dehors pour prendre un peu l'air, mais il fait un peu froid. Pour l'instant, de la formation que j'ai commencé, du coup, j'ai commencé par la photo, la toute première qui est proposée. Là, on parle beaucoup des photos de paysage. Le mec, par contre, est super, comment dire, pédagogue. Genre, en fait, quand il parle très très bien. Et je trouve qu'il est clair, précis dans ses explications. Par exemple, il a parlé au départ des photos avec flash. Il n'a pas été trop technique. Quoi que ce soit, il nous perd pas en fait dans ses explications. Il vulgarise très très bien. Donc je vais essayer de faire ça un peu quasi toute la journée, la formation. En fait, il y a beaucoup beaucoup de modules. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Par exemple, là, que pour la première partie, il y a 27 modules. Donc en vrai, je pense que ça va me prendre genre 2 jours pour finir rien que ce module-là. Mais du coup, bah, je vais essayer de faire ça non-stop jusqu'à midi, enfin que ma mère rentre quoi. Parce que bah, je prends toujours le café avec ma mère quand elle rentre, comme tous les matins. C'est mes habitudes. Et cet après-midi, soit je vais être trop fatigué et je vais pas continuer la formation et je vais faire autre chose pour me détendre. Parce que oui, je me connais, je vais faire des asthénies sinon et j'en ai pas envie. Soit je continue un peu la formation, mais j'ai surtout une vidéo à tourner qu'il faudrait que j'écrive un peu. Parce que j'ai envie de la travailler un petit peu. Ça va être une vidéo sur les objectifs. Donc voilà. J'adore ce montre. Je l'ai acheté il y a pas longtemps. Seul problème, c'est qu'il a pas de. Il a pas de poche. Ça, c'est chiant. Sinon, il est beaucoup trop confortable et il tient trop chaud. On dirait pas, mais là, en mode vieux papy. C'est tout con, mais j'adore regarder les oiseaux dans mon jardin. Il y a beaucoup d'oiseaux dans mon jardin. D'habitude, ils sont souvent bouffés par mon chat, mais il y en a au taquet, et du coup, j'adore regarder. Je trouve que c'est bien un type de photo que j'aimerais prendre un jour, c'est des photos des oiseaux. Mais c'est très particulier à prendre et c'est extrêmement compliqué. Mais on avait prévu de le faire avec mon père, il y a un parc justement qui est fait pour prendre de la photo des oiseaux, qu'il connaît. Et du coup, on avait prévu de le faire un jour. Bon, on l'a jamais fait, faudrait qu'on le fasse, ça serait trop cool. Bah, après, je m'y connais pas en espèces. Je sais que mon père s'y connaît un peu quand même dans les espèces d'oiseaux. Mais ça serait cool ouais, qu'on le fasse, qu'on aille prendre des photos des oiseaux un petit peu et après on s'amuse à trouver quelle espèce c'est. Bon allez, j'ai fini mon café, du coup je retourne dans ma formation. Bien sûr, mon chat est rentré en même temps que moi. Et je viens de me poser. Il arrêtait pas de miauler à la porte pour que je le prenne. Du coup je lui ai ouvert la porte. Et il est obligé de se caler sur moi quoi. Tout le temps. Ce gros chat là. Bon, il est 13h. Je suis un peu con parce que je me suis mis sur le canapé pour dormir un peu. Parce que j'étais crevé. Je me suis endormi, j'ai pas entendu mon réveil. Voilà. J'ai dormi avec mon chat. Et au final, bah, je devais dormir 40 minutes, mais j'ai dormi 1 heure. Donc bon. Un peu dégoûté. Bon, je suis au cinquième module sur 27. Je pense pas tous les faire dans la journée. Hein. Vraiment, il y en a beaucoup trop d'un coup. Là, ma mère va pas tarder à rentrer, donc je vais aller prendre le café tranquillement avec elle. Et me remettre un peu à ça. Je verrai jusqu'au combien je fais cet après. Allez, à toutes. Et on prend le café tranquillement. Le manteau, j'ai trop froid. La reprise du travail. Iris, tu vas faire tomber la plante. La plante, elle a failli se coucher. Alors, premier jour. Bah, ça a été, je te dis. J'ai commencé la formation, la photo. Ici. Hein? Ici. Et c'est ma maîtresse qui a été en Papouasie, je t'ai dit. On me rappelle pas. Bah, si, je te l'ai dit. C'est celle qui était aussi allée en Islande la dernière fois? Non, ça, c'est Sandrine. Non, notre maîtresse. Hélène, celle qui avait été. J'avais montré là toutes les vidéos là. Zanzi, je sais pas quoi, là, quand tu étais là, Zanzi, je sais pas quoi. On a rien fait. Ils ont plongé avec les. Ils avaient même pas à mettre les remontants. J'ai honte. Oh putain. Pour ça, on a envoyé plein de vidéos. Et je sais pas ce que c'est. Ah, mais c'est pas lui. C'est pas elle que son mari a le drone et qui fait. Oui, oui. Ah oui, qui avait fait un super beau shot.
Bon, le seul truc sur la formation que je trouve un peu con, c'est que les cours sont pas dans le bon ordre. Enfin, en tout cas, dans ce que je suis en train de faire là, il y a 2-3 cours qui étaient inversés. Parce qu'il fait référence à d'autres cours qu'il a tournés juste avant. Au final, on les voit pas. Donc, sinon, c'est bien. Et là, j'ai vu que le prochain chapitre, c'est l'astrophotographie. Pleine lune à 99% ce soir. À minuit 47. Je vais essayer de la prendre en photo. J'étais fatigué, du coup, je me suis posé dans le canapé. Et je devais me reposer genre 40 minutes. Avec Kiki, qui était venu avec moi. Et j'ai pas entendu mon réveil, il a pas sonné. Du coup, j'ai dormi une heure. Bah là, quand je t'ai envoyé le message, je me réveille en fait. J'étais encore au travail. Oui, mais je me réveille. Donc demain, apparemment, donc il y a des grèves, d'accord. Mais la meilleure, c'est que le centre de loisirs n'accueille pas les enfants. Donc il y a personne, donc ils font tous grève. Et la cantine n'accueille pas les enfants, ils font tous grève. Donc moi, mes petits. Comment ils vont faire? Est-ce qu'ils vont. Vu qu'ils sont obligés, les parents ou les grands-parents vont venir les chercher pour aller manger à la maison. Mais est-ce qu'ils vont revenir pour une heure pour faire dodo ou pas? Ça, j'en sais rien. Donc, je risque peut-être demain après-midi de me retrouver avec même pas deux ou trois gosses ou voir. Quoique, tu sais, des fois, ça veut rien dire. Les parents, même s'ils bossent pas ou quoi. Vous entendez, qui te les amène alors qu'ils sont malades. Mais la meilleure, c'est que c'est à l'heure où les enfants dorment, tu vois. Donc, si c'est pour que tout le monde arrive à 2 heures et qu'ils sont à. Il n'y aura pas de dortoir, hein, je crois. Mais qu'on a repris le boulot. Oui, ce matin. Ça fait une demi-heure qu'elle essaie de se lécher là. Elle arrive pas. Bah ouais, t'es obèse. Ah oui, et ta maman. Elle est belle quand même. Elle est grosse, mais elle est belle. Non, j'ai même pas enlevé mon manteau. Ils m'ont mangé mes miens parce que j'ai froid. Oh non, moi non, c'est que je me suis posé, je fais ton café, tout ça, je me suis posé, je m'ai même pas enlevé. Ah, j'ai déjà le froid sur moi depuis ce matin. J'avais fumé dehors tout à l'heure. J'ai fumé là et avec Kira. Du coup, il est descendu, il est rentré. Après, quand je suis remonté, j'ai fermé ma porte. Il grattait pour rentrer. Du coup, je l'ai fait. Tu vois, le peu qu'on a fumé hier là, Meg, elle est venue quand? Avant-hier. Tu vois, peu avant-hier. Et le peu qu'on a fumé hier, quand je rentre là, c'est horrible. J'arrive pas. Pourtant, j'ai aéré. Parce que ce matin, déjà, quand je suis descendue. Et parce que tu sais pourquoi? Parce que d'habitude, je les vide les cendriers. Et là, c'était pas vidé. Je vais ouvrir ce matin. Et là, tu vois, quand je suis rentrée, je le sens encore. Hein. Non, ça m'énerve d'avoir aucun goût sur ma clope électronique. Ça m'énerve d'avoir aucun goût sur ma clope électronique. Mais je crois que c'est les résistances qui m'a passé. C'est de la merde. Pourquoi tu veux que ce soit de la merde? Ce sont des résistances. Ben oui, non, mais t'as plusieurs types de résistances. Et celle-là, genre, déjà, c'est même pas le 32 à 40 watts. C'est même pas ce que je prends d'habitude. C'est du 30 watts. C'est de 19 à 30 watts. Et il a regardé, il t'a demandé, tu as dit oui, alors. Ben non, il m'a dit 30 watts, j'ai dit oui, mais là c'est 32 à 40 watts. Je sais pas, c'est pas la même boîte que celle que je prends d'habitude. Bon, en tout cas j'ai pas de goût. Alors j'ai le Covid. Bon allez, moi je vous laisse là, je vous reprends après. Je vais terminer mon café tranquillement, manger un petit bout et reprendre la formation. A tout à l'heure. Bon, il est bientôt 16h. Je suis au 10e chapitre sur 27. Le premier truc. J'arrête un peu là parce que je commence à en avoir marre et j'ai mal à la tête. Il y a eu la partie sur l'astrophoto, donc ça c'est cool. Sachant que ce soir je vais aller prendre la lune en photo vu qu'elle est pleine et j'ai encore jamais fait de photo de la pleine lune, donc je vais la prendre en photo ce soir. Là je vais faire un peu de montage vidéo sur des rushs au drone. Après je pense que je vais regarder l'épisode de Last of Us tranquillement dans mon canapé avec mon chat et après j'irai monter ce vlog, faire la miniature de l'autre vlog. Et je pense que c'est tout ce que je vais faire. Hein. J'irai jouer un peu ce soir, je pense. En tout cas, voilà. Cette première journée. Là où je vais faire cette première journée de retravail sur des formations et vlogs toute la journée. J'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de tenir le rythme. Je vous promets rien. Parce que vous savez très bien qu'avec moi, je sais pas si je vais tenir longtemps. Mais je vais tenter. On verra bien. Et je vous dis à demain. Pour une prochaine vidéo. J'ai toujours pas écrit la vidéo d'ailleurs que je devais écrire sur les objectifs. Faut que je la fasse. Faut que je l'écrive. En tout cas, je vous souhaite une agréable soirée. Une bonne journée. Tchuss.